Pardon ? T'as intérêt à tenir le regard, j'espère que t'es bon toi. Mais quoi, t'es ouf quoi ? Tiens le regard, je te dis. Je le couvre pas la gêne, regardez. Attends, j'arrive. Dépêche-toi. Il va mettre un bouton à coup de merde à la fin. Cet enculé de sa race. Continue, tu vas faire quoi, ferme ta gueule, c'est un feu là. T'es sérieux? Tu vas faire quoi, mec? La police du RP, juste pour vous signer tel que votre RP est éclaté. Et en fait, ils prennent nos lives et ils nous spoilent sur un live stream. C'est nous qui vous apprenons à vivre. La branlette, qui l'a inventé la branlette? C'est le Maghreb, hein. Sinon, si tu serais en train de te doigter le cul. Pas branlette. Tu cherches l'excitation dans le cul. C'est quoi ça? Attends, on va le charger un peu, moule. Attends un peu, moule, tout doucement. Tout doux, mon petit moule. Doucement. Aïe, j'ai mal. Aïe, j'ai mal. Mon moule, je ne l'aime pas. Vous avez fait quoi, là? Qu'est-ce qu'il raconte? C'est illogique. Il est con, lui. Petite bite, non circoncis. t'as le bonnet sur la bite. Moi, j'ai pas de bonnet. Oh là. Ah, c'est quoi ça? C'est quoi le gosha? C'est quoi ça là? C'est bon. Attends, je veux manger. Ça, on mange. Arrête ça, tu vas niquer la peau. Arrête ça. Ah ben voilà, il a niqué la peau. Allez, je suis ta chienne. Wouf, wouf, comme il m'a dit, teuf. Faut crier, faut les appeler, les liches. Putain, c'est vraiment ça, l'argent, ça te rend comme ça. Oh là là, le jump. On va faire un coup ci, venez, on va sauter, on va voir ce qu'il y a. Non, pas ton jumper, non. Au moins que ça aille pas. Voilà, tu vois. Ah oui, là, c'est abyss. Allez. Voilà, allez, et on tape le bonus direct, les mecs. Mais attends, quoi? C'est pas le bonus, ça, encore. Faut que ça arrive tout en haut. Mais si, c'est bon, regarde. Non, c'est pas encore. Ouais, là, et c'est... voilà, bonus 7, alors. Tout doux, ça se mange. Avec tes pieds secs, allez, vas-y. Ça, c'est mon diouf. Allez, le pied sec. Voilà. La cible a été abattue, Big Boss. Ok, on va manger. Oh, regardez, il y a un indizène devant. Vous allez parler. Voilà. Attendez, je pense.
Ça c'est beaucoup bon goût, hein. Beaucoup bon goût, hein, je vous dis. Hein. Ah bon? C'est bon ça, je garde. Très bien, allons-y. Ah, c'est bon. Non mais pas mort. Non mais... Ah! Il le fallait vivant. Ah! J'en fais quoi de ça? Attendez, je peux peut-être le soigner, j'ai des dons de guérisseur. Ah oui, vous avez des dons? Mais moi ouais. Je suis la reine... Je soigne les gens. Il a laissez-moi faire. Voilà, voilà. Il faut quoi? C'est quoi les meilleurs diamants? C'est les violettes? Quoi? Quoi? Regarde ça, quoi? C'est nul, non? Mais là, t'es complètement déconnecté, t'es comme te faire ou quoi? 316, t'es sérieux, Big Win? Attendez, c'est bon, j'ai le couteau, excusez-moi. Comment? Dépecez, reculez tous, parce que c'est un danger public. C'est bon, je m'occupe. Talio, on va faire le dépecing. Voilà, ça me rappelle quand je fais la cuisine en Chine. Voilà, allez, Kanalake, B42, Covette, c'était bon tout ça là. Allez, je prends mon morceau, je me casse. Vous avez de la peau là. Ah, ça pour tombe. Faire un soupiseau à la peau. Ouais, 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 ouais. Allez, hop. Votre couvière, mauvais état. Mais non, vous, on me fait pécure comme un barbare. Il a balancé ça comme ça. Encore, ça a sauté, ça a sauté. Oh, GG, hein? Thanks. C'est nice. Ça va péter! Finish with AK. Ça va péter! Oh là là, ça c'est. Il y a des beaux restes, hein, quand même, hein? Il n'arrive pas à trouver, c'est bon. Il était avec. Il y a du mal. Deux personnes. Trop mignon. Ces deux personnes. C'était des nègres. Malamo, jeune racaille des cités, veux-tu ne pas manquer de respect avec cette demoiselle? Elle a le droit de s'acheter des godes et de mouiller comme elle veut. Ah, c'est dire, vous êtes tous des fils de putain, ce sont ces mots. C'est bon, je vais y en mettre moi-même dans la tête alors. Hein? Je laisse? Bien, nous serons monsieur Jones. Oula, calmez-vous s'il vous plaît. Allez-y, tirez, je vais voir ta tête exploser en cabouille, ça va être drôle. Allez-y, 3, 2, 1. Eh bien, moi, c'est quand même la loi faire, soyez pas la loi faire. Voilà. Magnifique. Magnifique. Attention. Vous êtes tous des âmes perdues, vous vous faites du mal entre vous. Pardon, Big Boss. Je vérifie s'il est bien mort. Allez-y. Tout à l'heure, à la pharmacie, pour demander un vaccin. Parce qu'en fait, il y a ma grand-mère qui en a fortement besoin, elle ne peut pas se déplacer. Ils m'ont dit que ça allait être reporté encore dans quelques mois et je n'ai pas compris. Donc, je me suis énervé sur le coup, surtout que c'était celui qu'elle voulait, c'était l'AstraZeneca. Et dans ce moment-là, quand j'ai appris la nouvelle, je voulais savoir ce qui s'est passé. J'ai commencé à avoir... Vous voilà. Avez gardé le couteau, monsieur? Ah oui. Je vais regarder si je peux m'acheter une hache, c'est juste en face, monsieur. Merde, il a cramé. Ah, vous n'avez rien vu, monsieur. Vous n'avez rien vu, écartez-vous. Oui, je devais aller le remettre dans son petit lit. Oui, allez, écartez-vous. Attends, parce qu'il y a un monsieur qui a vu, là, le témoin. Je ne peux pas mettre son poids, je suis diabolique et même parabolique. Ah, j'ai la rage. Bon, je vais remettre dans son lit lui aussi. Ouais, prenez-le. Hop. C'est moi où j'ai entendu les grognasses. Oui, c'est ça. Oui, on va parler, madame. Je voulais vous dire casse-toi. Moi, je m'appelle Doofy, dit. D'accord, Doofy, ouais, je sais. Oui. Je sais. Ta tante était une répue.
Je m'en souviens encore. Elle s'amusait à faire des pipes chaudes, elle se mettait au milieu de ses clients et ensuite elle avalait des giclées. Malheureusement. Après, elle était recouverte de mousse. Ouais. Tu m'as pas dit la grosseur de ton pneu, quoi. Donc, tu m'as dit le haut, mais moi, je veux savoir le bas. Avant de m'envisager, j'espère que c'est bien la corde à Tarzan que je vais tenir, quoi. Parce que si c'est pour m'asseoir dessus et puis je fais « Oh, mais c'est quoi ça ? Allez, je me retire, pourquoi j'ai rien à faire ici ?» Et tout à fait, oui. On va D'accord. faire de la revente de cigarettes, exactement, oui. Vous savez... Attention au tramway ! Ah bah... Ah bah votre cheval, il va beaucoup moins bien courir maintenant. Bah Zada, il est, y a comme un problème. Monsieur, vous venez de faire une grosse connerie, là, monsieur. Ouais. Attendez, je m'en charge. Sortez de là ! Sortez de là, monsieur. Enfoiré ! Écoutez-moi, monsieur. Bon. Laissez-moi sortir. La dernière fois que j'ai fait ça, j'ai séduit un mec et un gars qui m'a ajouté en... Il m'a harcelé, les gars, pour que... Il voulait avoir mes informations et tout, il voulait me pécho, les gars. Non, non, plus jamais, maintenant. Allez, bisous. Ah ouais, il voulait absolument avoir des infos et tout, il voulait coucher avec moi. Prends le soleil, t'as beaucoup de chance dans la grève. Je vais faire brancher ma grosse chatte. Ouais, bah moi, je vais me taper une grosse queue, là. Désolé, j'ai pas eu le temps de faire un constat. J'ai cru que vous alliez partir avec le tramway. Non, 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 j'ai essayé de dissuader de... Non, pardon. Ne faites pas ça, voyons. Une pulsion. Oui. Oui, calme tes pulsions, à chaque fois c'est la même chose avec les femmes. Il y a toujours les vieux démons qui ressortent. Elle est belle. Oui, je sais, mais il faut que t'apprends à te contrôler, t'es dans un nouveau pays, un nouveau continent. Andy, je te reconnais, tu traînes avec la bande de Cricrou, non? Non, non, il me connaît pas, c'est un mec qui est en train de me détracter, ce bâtard. Mais oui, ta mère, hé, sale bâtard, hé, tu continues à parler mal dans le chat, à diffuser des fausses réputations sur ma gueule, je te défonce ta race, on m'appelle le démon de pneu dans le quartier. Si j'ai envie de ken des trous de balles, c'est mon, ça ne regarde que moi. Moi, je suis là pour niquer des culs s'il faut, il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui me plaisent ici, donc ferme ta gueule. Arrête de niquer ma répute, sale bâtard, donc cul de dans jaune, va. On peut reprendre, laisse-moi vivre. Ouh, on a appris plein d'informations là. Dans ton ton énervement. De créer mon entreprise de prêt-à-porter. Et puis, arrivé ici, le monopole était déjà pris, donc... Qu'est-ce que j'en ai à foutre de cette salade ? Tout ce qui m'intéresse, c'est de rentrer chez elle et essayer de la piler. Des vêtements, enfin, toutes sortes je dois à chaque fois supporter les conneries de toutes ces femmes. J'ai tendance à me brûler les couilles. Edouard Zebi, là. Il parle de moi, là ? Non. Mais non, je sais pas ce qu'il est, lui. Malgache, pakistanais, congolais, cramé, dinosaure. Il est pas singe, bon. Macaque, tout ça ensemble. Ils l'ont mis à très haut monde, comme ça, je sais pas comment. Molo sur le macaque, par contre. Edouard Zebi, là. Attends, je vais te montrer. Ça craint rien, regarde le papa. Regarde. Allez, tout doux. Tout doux, le croco. Tout doux, il va rien faire. Regarde. Tu vois, il s'amuse avec mes couilles. C'est bon ? Maintenant, il y a une question que je t'ai jamais posée, mais pourquoi t'as ce bracelet ? Baga kamatrune, main armée. Salut, j'observe depuis tout à l'heure ton live. En tout cas, je voudrais te dire que tu supportes de sacrés phénomènes. Hein. La personne juste avant est un peu trop curieuse. Je perds celui-là. Et ça fera bim, bam, boum. C'est mes bourses qui te collent au cul. Bah, bim, bam, boum. Seulement, tu vas la bouffer. Calmé. Elle m'a mis un doigt, ça veut dire qu'on doit y aller. Ouais, elle veut pas qu'on aille la voir, les gars. Malheureusement, parce qu'on avait des bonnes réactions avec elle, hein. Mais elle ne veut pas, elle ne veut plus. Donc on peut juste comme ça, lui, voilà. Passer en stuffa, après on décroche. Et ça fait bim, bam, boum, et c'est mes bourses qui vont claquer. Le voisin, machin, etc. Ils osent même pas, en plus, ils signent même pas leur nom, ces putains de baltringues. Eh, les voisins, bande de grosses merdes, je sais encore qu'est-ce qu'il y a, bande de putes. Ah, assumez, si vous avez quelque chose à me dire en face, dites-le-moi, bande de chiennes, bande de putes. En plus, t'as une sale gueule dans l'ascenseur. Tu sais très bien que c'est moi, sale victime.
Je te crache à la gueule, fils de chien, là. Ah chat, 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 chat. Je baisse ta femme. Ah, très bien, attendez, je vais vous accompagner pour ces petites notes. Je suis Eddie Larouille, à la recherche de la gloire. J'aimerais me taper une petite minette, mais pour l'instant, je suis monobourse. Un jour, je serai beau, je me referai la tronche. Ouais, j'entends bien, j'entends bien. Et j'irai jusqu'en Californie trouver une petite Mexicaine que je vais troncher, troncher avec de la joie. En même temps, il n'y a pas longtemps, je me suis tapé un petit jeune. Et franchement, c'est un bête de plan. Thank you, la jeunesse. La salope. Merde, avec ma tête, je ne peux pas faire petit jeune. Il n'y a pas un mec qui veut y aller, là. Je voulais te dire, en fait, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Maintenant, tu vas pouvoir être intéressé par moi parce que je suis un homme marié. Et j'ai eu un enfant, là, récemment. Et on m'a dit que les femmes comme ça, de ton genre, s'adoraient charrouer les mecs mariés. C'est vrai ou pas? Pas du tout. Ça ne m'intéresse pas du tout. Hein? Descends de là. Qu'est-ce que vous faites? Vous en faites pas, madame. Non, descends. Je l'ai renversé pendant la fuite. Je la laisse comme ça, j'ai envie de la laisser comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire quoi? C'est du vieux bagatou que t'es là. Respecte le bagatou! Vous vous rasse! Vous le rasse! Tu vas faire quoi? Respecte le bien! Bagatou, va. Tu redis bagatou, la tête de ma mère, je t'éclate. Eh, si je dis bagatou, tu sors du téléphone ou pas? Je vais surtout te mettre une patate dans le menton, tu vas comprendre à travers le téléphone. Je vais te mettre une steak, mais tu vas comprendre. Bagatou. Je vais te mettre une steak! Ah, mon téléphone! Mon téléphone! C'est la fin de la vidéo. Et t'es tout triste? Mais t'inquiète pas, on revient très bientôt pour du nouveau contenu. Alors pour cela, active la cloche, hein, et tu seras au courant des prochaines vidéos. Et abonne-toi surtout. Lâche un pouce bleu, ça fera plaisir à Riri. Allez, à ciao, bon dimanche!